Salut à tous. Donc j'ai décidé de langer, c'est ça. Je vais langer. J'ai décidé de lancer le jeu comme ça pour le LOL en me disant ben on va commencer du début. Donc comme vous avez vu, je me suis offert Alice au pays de la folie qui est à 5 euros ici en ce moment même. Il reste plus que 24 heures. Donc si au cas où vous voyez cette vidéo et que le jeu vous intéresse et que vous avez une Xbox One ou en tout cas une Xbox, allez-y, ce jeu est superbe. Surtout que vous avez deux jeux. Ici, on va. Il est vraiment beau ce chat. Trop classe. Donc, ici, je vous invite à acheter le jeu. Il est pas cher. Au lieu de payer 20 euros, vous payerez. C'est un peu fort. Donc, au lieu de payer 20 euros, vous payerez tout simplement 5 euros. Ça y est. Bon, prenant en compte que j'ai pas appuyé sur start. Alors, le son, je le trouve toujours assez fort quand même. Je sais pas pourquoi. Non, je veux pas la manuelle du jeu. Oh, mais les bruitages, ça gêne pas. C'est juste... Ouais, c'est plutôt comme ça que je voudrais. Pour la voix, ça, on va laisser dessus parce que de toute façon, il faut écouter les bruitages. Je peux laisser comme ça. Le son qui gêne un peu trop, voilà, ça devrait aller mieux pour le son. Donc on se retrouve sur American Magis, un jeu qui a l'air sympathique. Donc je pourrais faire tout de suite en fait Alice au pays de la folie, mais je ne vais pas faire ça tout simplement parce que j'ai envie de faire d'abord le premier du nom. Donc il faut le télécharger dans les téléchargements de contenu. Moi, j'ai téléchargé extérieurement quand j'ai acheté le jeu. Parce que oui, si vous achetez le jeu, vous avez les deux. Vous avez le premier, donc jouer à American Magis. Donc vous avez Magis, enfin vous avez compris. Vous avez celui-là. Et vous avez tout simplement le au pays. Donc vous avez le 1 et le 2, quoi. Enfin, j'arrive pas à le dire correctement. Magnus, Alice, machin. Et tout simplement l'autre. Oui, chut. Gestion de la sauvegarde. Donc, je m'étais quitté. Enfin, j'avais quitté dans un manoir. Si je me souviens. Non, j'ai code. En fait, c'était. Ah oui, il me met quand même au début. Donc ce personnage n'est pas dangereux, apparemment, il me fait pas mal. Donc voilà, je l'ai fait bugger, voilà. Ça sert à rien, mais voilà, je le fais carrément bugger. Et j'aime bien la musique du jeu. Alors, je rappelle, je suis une bouse dans ces jeux-là, donc j'ai décidé d'y jouer en mode facile. Oui, je le dis déjà. Ah putain, j'ai arrivé à... À chaque fois, je déglinguais mon vieux, tu vas voir. Dégage. Crève. Voilà. Alors, je sais que beaucoup de gens vont dire, ouais, t'aurais dû y jouer, t'aurais dû te mettre en mode facile, en mode normal, tout ça, pour montrer ton skill. Non. Je ne veux pas faire ça. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas comme ça, moi. Moi, je m'en fous. Le but, en fait, ici, c'est de tout simplement découvrir l'histoire du jeu. Et que le son, j'ai l'impression qu'il est quand même toujours encore assez fort. Hein. Pourtant, on l'a modifié. C'est grave. Non, mais non. C'est moi où il n'a pas pris en compte cet enculé. Vous pariez combien qu'il n'a rien fait? Oh l'enculé.
Non, ça tu laisses. Ah, l'enculé. Ça, c'est de l'enculade gratuit. Appliqué. Ah, ça y est. Ouais, ta gueule. Voilà. Comme ça, on s'entend enfin, parce que sinon, on n'entend plus rien. Donc, comme je disais, c'est ça qui est un peu chiant quand tu fais des enregistrements comme ça, c'est que chaque fois, tu dois modifier par-ci, par-là. Bon, moi, j'aime bien ce jeu parce que je le trouve assez beau. Non, c'est des fausses portes. D'accord, donc c'est par là qu'il faut aller. Ça, c'est juste... Alors là, c'est une porte qui pète des câbles tout seul. Ah, connard. Ah, je ne vois pas. Oula. J'ai failli me casser la gueule. Vous n'avez rien vu. Vous êtes tout mou. Très très important d'avoir précisé ça. C'est très très important. Et bon, c'est un ancien jeu. Faut pas s'étonner à grand chose. Hein. Alors, donc on avance. Alors, en fait, je m'étais arrêté ici tout simplement. Hein. Et en fait, je devais tout simplement récupérer ce magnifique truc que vous voyez là. On va essayer de... Ah, je me suis encore... Putain, la salope, elle n'a pas voulu sauter. Elle n'en sauve pas. Ça y est. C'est bon, je l'ai décrit. Devinette. Ah, il y a le beau gosse. Quand un maillet de croquet ressemble-t-il le plus à un gourdin ? Je vais te le dire, chaque fois que tu le désires. Ta voix soif m'excite. Non, je suis non, mais la voix, elle est stylée, elle est trop stylée. Alors, en passant de ça, voilà. Voilà, le jeu, il est sympa, il est cool, il est stylé. Donc, comme vous avez compris, ici, on va faire un petit moment, 10, 20, 30 minutes de ce jeu, un peu comme ça, en mode tranquille. Moi, si j'ai acheté ces deux jeux-là, c'est pour l'histoire, hein, sincèrement, et le monde. C'est pas pour la difficulté du gameplay. Ça, sincèrement, c'est pas moi. Je ne suis pas comme ça. Hein. Ça m'intéresse pas. Hein. Je suis un peu une grosse fainéaste sur ce fait-là. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Ça m'intéresse pas de montrer mon skill, mais pas du tout. On peut tuer. Non, voilà. On peut pas les tuer, ils sont... Par contre, c'est normal s'il se prend pour une poule. Mais comme vous voyez, il fait rien, quoi. Il fonce dedans, il ne fait rien. Par contre, il y a des problèmes psychologiques. Ça nous éloigner très très loin de lui. Très très loin. Bon, après, Alice ne vaut pas mieux pour autant pour ça. Par contre, c'est moi ou je suis coincé là? C'est ça. Attends, c'est quoi ce bordel? Je dois te tuer? Et où dois-je faire? Qu'est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Nom de Dieu. Je suis déjà paumé. C'est génial ça. Oh, je me suis pété la gueule, ça c'est magnifique aussi, hein, de se péter la gueule. Mousse-moussez-vous avec de la double mousse. Non, c'est pas ça. Oui, saucisse grillée, pour tous, pour vous. Moi qui pensais que les piles de mon appareil étaient endommagées, ils ne fonctionnaient plus, mais si, ça fonctionne très bien. C'était en analogique que c'était moins fort et que c'était différent parce que c'est différé. Voilà, c'est assez ouf quand même. Voyons voir. Ouais, bah du coup, je sais pas où il faut aller. Moi, je suis paumé déjà. Qu'est-ce que je dois faire?
Ok, mais ça m'a servi à quoi? Bon, ici apparemment il y a peut-être rien du tout, hein. C'est peut-être un traquenard, il y a peut-être rien. Donc on va aller autre part, hein. On va aller tout simplement autre part. Merde, je peux pas m'éloigner, fait chier. Parce que sinon vous m'entendez moins bien. Bah ça fait de l'écho en fait, hein, sinon. De toute façon on va pas rester longtemps sur le jeu, c'est juste pour un peu le plaisir de partager un peu de gameplay. Mais bon, comme je m'y prends là, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ah! Ouh, porte. Il t'a marre. Oui, le micro s'est pété la gueule. La tâche est un peu plus complexe que vous l'aviez laissé entendre. Pas la peine d'être sarcastique. Je le reconnais, ma mémoire n'est plus ce qu'elle écrit. Mais je suis là, maintenant, et je vais pouvoir compenser ces faiblesses. La bibliothèque contient la recette de la potion. Consultez le livre des choses bizarres. Oh non! Courez! Ah, mon micro, je suis en train de le régler, connard! Ça, c'est salaud quand même. Je suis occupé à régler mon micro pour régler les soucis de son. Parce qu'il s'est cassé la gueule et t'as des enculés qui m'attaquent. Allez, meurs. Comment de la vie? Oula! Oula! On voit son cerveau. C'est pas rassurant tout ça. MDR. C'est lugubre. C'est tchoum tchoum lugubre. C'est tchoum tchoum lugubre. Ah, sympa la tête là. Est-ce qu'on doit tirer dedans? J'ai entendu un bruit bizarre. Non, 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 tu te pètes pas la gueule. Si je m'approche, c'est pour qu'on m'entende mieux, connard. C'est pas pour que tu te pètes la gueule. Pour info, j'ai mis ça sur mon sur un truc de céréales. Donc c'est un peu instable. C'est pour être sûr que vous m'entendez bien, parce que si on m'entend pas, ça n'a pas de sens. Je vais aller où, là, au fait? Dégage la mouche. J'appelle les WFB. Les WFB. Voilà. Mousse-moussez-vous. Avec la double mousse. Mais oui, j'ai tout mou. Respectez-moi. Mousse-moussez-vous. Non. Ah d'accord. Bon, on est là, on a, n'oubliez pas, hein, je suis en mode enculé. Ça c'est connard ça. Je suis en mode facile, ça veut pas dire que je vais pas crever. Parce que je suis un peu nul en gameplay, donc du coup on est vraiment en mode tranquille quoi. On est en mode tourner manège. Oh. En tout cas, le jeu est assez beau. Oula, j'avais pas compris que ça monte, moi. Je voulais juste voir un truc, mais... On va aller. C'est assez... Oh, c'est assez grand. C'est assez beau, aussi. Alors... T'es quoi, toi? À quoi tu sers? Il s'est envolé, il s'est complètement tiré, l'enculé. Je sais pas à quoi il sert. Et ça, c'est quoi? Ça sert à rien. Mm-hmm.
C'est normal si de temps en temps vous m'entendez pas, c'est parce que je me mets un peu normalement, parce que je suis un peu mal mis en fait. Les marches d'illumination guident tes pas, mais elles sont raides. Alors grimpe-les une par une. Oh ouais, putain, il y a de la force ce mec, hein, le chat. C'est un chat surpuissant quoi. Bon, toi, t'as une sauvegarde automatique, c'est ça? Ou pas? En tout cas, bien trouver la meilleure forme de la sauvegarde automatique. Ça, les gens normaux, ils se diraient. Enfin, théoriquement, ils se diraient, tiens, c'est quoi ce truc? Ah, il faut peut-être le suivre. Ou alors, c'est juste parce qu'en même temps, ils sauvegardent. Je sais pas, hein. Comme vous voyez, je perds quand même pas mal de vie à chaque fois que je me fais tuer. C'est pour ça que ça prouve un peu que je suis un peu une merde. Et que je vais surtout pas jouer en mode mousse-mousse difficulté là. On reste bien en mode facile et s'il y avait un mode paisible, j'aurais carrément pris à ce moment-là. Parce que moi, je suis vraiment une grosse fainéasse en gameplay. En tout cas... Je conseille aux gens qui n'ont jamais joué aux deux opus en fait de jouer au 1, si ça envole toi, de jouer à celui-là d'abord, hein, parce que voilà, il est bien, il est vraiment génial. Non, ça va monter, c'est ça. C'est quoi ça? C'est l'espace. L'espace. Space. Ça, ah oui, ça monte. Intéressant. C'est des plateformes. Ce n'est pas forcément pour ce que je pensais. D'accord, d'accord. Ça marche. Oula, je... Oui, bah oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mousse-mousse-les. Oui, le joli mou. Oui, ah. Merde. Putain, mais il est lent ce truc. Et joli clipping. Allez, monsieur clipping, on monte. C'est ça. Allez. Mousse-mousse-toi. Bon, c'est pas très très gentil de mettre des trucs aussi plats. Oh putain de merde. Ouf. What the fuck, ils sont arrivés. Dégage toi. Ah, de la vie. Mais je voulais ma vie. Mais il ne veut pas s'ouvrir, il est coincé. Traite-le comme un casse-tête chinois ou un couvercle récalcitrant. Une pichenette au bon endroit fera sûrement l'affaire. Une bichenette. Une bichenette. Bordel de merde. Depuis quand c'est le jeu qui joue à ma c'est place? C'est ça, une bichenette?
Heureusement, je n'ai pas suggéré d'utiliser la force. Tu l'aurais pulvérisé. Je trouve que c'est pas ouf. Je vais te pulvériser, tu vas voir. Est-ce que t'aimes le saucisse? Miam, 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 miam. Ah oui, d'accord. T'es con ou toi, en fait? Ah oui, fais-moi recommencer tout, bien sûr. Mais bien sûr. Quel magnifique bout, tout mou. J'ai du mou, j'ai du mou. Pourquoi vous me faites tout recommencer comme ça? Ah, je vais vraiment tout recommencer. Les enculés. Juste parce que je me suis pété la gueule, quoi. C'est vraiment des grosses salopes, quand même, ces gens. Mais meurs. Meurs comme ta mère n'a jamais mûri. Ceci veut rien dire. Bordel de merde, je me suis encore foiré. J'espère que ça vous plaît bien, ce let's play recommencement indéfini, parce que je suis une grosse merde. Devinette, quand un maillet de croquet ressemble-t-il le plus à un gourdin? Une saucisse. Chaque fois que tu le désires. J'aime ça. Donne-moi des saucisses plutôt. On voulait depuis le début. Je dois aller où? Je ne sais plus. C'était par là. Fantôme, fantôme. Fais très très peur. Quel joli mousse-mousse mania que vous avez là, monsieur, on me l'a une fois dit. Quel joli mousse-mousse. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Oh, oh putain, l'enculé. Ouille. Meurs. Allô? Allô, il? Coucou. Oh, putain, j'ai failli me... Les marches de l'illumination guident tes pas, mais elles sont raides. Alors grimpe-les une par une. Merci, mon chou. Tu m'as sauvé la vie parce que j'ai failli me péter la gueule. C'est trop très gentil, ça. Bah oui. J'ai failli me pointer la gueule dans le sol. Je vois pas le rapport avec la nourriture, mais bon, c'est pas grave. Ne cherchez pas, je suis atteint. Avec de la mousse en partenariat à côté de moi, bien sûr. C'est très très important, on peut préciser ça. C'est très très important. Bah oui, donne-moi la vie, connard. Enculé. Allez. Bon, cette fois-ci, on va essayer d'éviter de se péter la gueule comme la dernière fois, comme une grosse merde. Parce que nous sommes pas en partenariat pour rien avec la mousse. Elle ne veut pas qu'on meure. Parce qu'elle est... elle est tout mou. Oui, ce que je dis n'a aucun sens. Donc ne cherchez pas de sens à mes dialogues. Sinon, vous êtes dans la merde, vous allez devenir fou. Wouhou! Voilà. Hum.
Oui, excusez-moi, j'ai des dérangements. J'espère que ça vous prête. C'est de la ASMR. On dirait que c'est dans aucune du. Ah merde, il me manque un livre là, non? Petit. Allez, j'ai une petite saucisse grillée. Là, ça a l'air d'aller, je meurs pas. Putain, t'es un enculé. Enculé. Maintenant, il faut attendre 10 ans pour que ça descende. Non, il faut attendre 2 secondes pour que le jeu prenne en compte pour le checksum. Enculé. Putain de checksum qui ne s'est pas activé, ni ta mort. Alors, tout. Oh, j'aime pas ça. C'est tellement de la merde. Putain, mais à chaque fois, je suis à moitié. Les sauts sont tellement imprécis. Oh putain, j'ai foiré. Et si j'en fais trop, je vais crever, man, carrément. Donc, c'est pas cool, quoi. Parce que je crois que la vie, elle remonte pas, hein. Donc, je suis dans la merde, quoi. Oh, bordel de merde. Pourquoi ils m'ont fait tout recommencer, quoi? C'est injuste. C'est un peu dégueulasse, quand même. Vous voyez, maintenant, en mode facile, c'est difficile, donc... Wouah! Wouah! Putain! Mais c'est quoi ce jeu mal codé? Oui, parce que c'est un problème de codage, ça. Parce que... En fait, c'est surtout... Ah, cool, de la vie. C'est tout? Putain, c'est nul. J'aurais voulu avoir un peu plus de vie que ça, hein. Putain, on est dans la merde, quoi. On va recommencer 6 milliards de fois, je vous préviens. Bon, maintenant, si j'étais un pro-gamer, ça serait avec de la mousse. Non, c'est pas par là. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Avec ces magnifiques... J'arrive à parler. Avec cette magnificence de musique en mousse. Ou c'est de la musique en mousse. Alors, putain de merde. Non. Oh putain de merde, c'est mal foutu. Oh. Bordel de merde, c'est le jeu mal codé, quoi. Bon, vous avez compris, on va se quitter, hein. Je vais jouer peut-être tout mon côté par la suite tout seul, ou plus jamais, parce que je suis vraiment nul. Mais voilà, quoi, c'est le jeu est galère. Vous comprenez pourquoi? Putain. C'est en fait parce que, en fait... Oui, c'est ça, en fait. Le jeu, au niveau des déplacements, c'est... Regardez, j'appuie. Vous avez entendu? Vous voyez des... Voilà le problème. Donc il faut prévoir le délai, etc. Le jeu est mal foutu. Je suis désolé. C'est quoi ce délai de malade, quoi? Ah, donc du coup c'est injouable. Bon, je suis. Quand un maillet de croquet ressemble-t-il le plus à un gourdin? Je vais te le dire. Chaque fois que tu le désires. Parce que tu es tout mou. Là.
Patreon.wouf. Bah si. Saucissonnez-le. Oh. Il y a des cinématiques qu'on peut pas passer. Hein. Celle-là, je peux pas la passer, hélas, parce que si j'appuie, ça met le menu. Ah, ça me... Voilà, c'est ça. Donc, je peux pas passer cette cinématique-là. C'est souvent peut-être parce que ça doit charger l'arrière-plan, je sais pas. C'est peut-être une enculée. Possible. Ah oui, je m'en bats complètement les couilles des ennemis. Les marches de l'illumination guident tes pas, mais elles sont raides. Alors grimpe-les une par une. Je vais les grimper une par une. Je vais te saucinos. Je vais saucissonner tout l'univers. Tout l'univers. Putain, à chaque fois je fais des photos orales, du coup ça casse tout le délire bugué du orateur qui dit de la merde. Saucissonnez-vous et vous aurez plus de mousse. Les mous tout mous sont faits de mousse. Croyez-vous en eux? Mais si! Tombe! Ah, l'enculé! Ils de vous sont adorateurs. Putain, il m'a pas donné de vie. Ah si. L'enculé. Allez, meurs. Bon. C'est bon, j'ai récupéré tout. Combien de fois je vois. Bon, après, ça va, c'est pas trop long ce que je fais le jeu, mais là où j'en suis. Mais quand même, c'est chiant. Et surtout que je vous laisse tout. Ah oui, clairement, je vous laisse tout toute la vidéo. Hein. Ah, c'est un plaisir de vous faire chier avec ça. Bon. Putain. Bon. Attendez, je vérifie un peu comment faire. Ah, ça, je ne savais pas. Regardez quand on saute normalement. Ah non. Ah si si, regardez quand on saute un peu, elle avance. Et ça, le jeu, il te le dit pas en fait. Ok. Moi, je pensais qu'elle restait sur place. Donc, on va tester cette technique-là. Ouais, bon. Non! Oh putain! Ce jeu de merde! Rage, petit ou rage! Nous sentons qui rage, petit ou. Il va rager. Ne vous inquiétez pas, il sait pas parler français. Rage, petit ou rage de ton être. Souffre, galère. Meurs. Non, c'est pour de vous, ne meurs pas. Non, 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 non. Oh putain, mais non, c'est... Ouais, bah, je vais devoir recommencer 6 milliards de fois hein, ce moment-là. Hein. Y a rien à faire. C'est tellement galé au poil de cul que... Je pense que même si Fano, il a galéré. Parce qu'à l'époque, j'ai regardé le let's play de ce jeu, mais je me rappelle de plus rien parce que ça fait plus de 5 ans, 10 ans, un truc comme ça.
ça fait tellement de très longtemps que je me rappelle de plus rien, quoi. Regardez ça, quoi. À chaque fois, je suis carrément... Là, elle n'a pas sauté, et du coup, elle est morte. Voilà pourquoi ce jeu, il y a vraiment un problème. Et bien sûr, ben, je vais recommencer et tout ça. Alors... Devinette, quand un meilleur croquet ressemble-t-il le plus à un gourdin? Je vais te le dire, chaque fois que tu le désires. Oh, moi ça va plus vite comme ça. Ouais, cinématique qu'on ne peut pas passer. Ah, c'est galère. Bon, en même temps, c'est un jeu qui est galère, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous laisser un peu... la galère justement de ce moment, parce que c'est un moment magique tout mou. Je m'en bats les couilles. J'essaie vraiment d'aller le plus vite possible. Speedrun. Les marches de l'illumination guident tes pas, mais elles sont raides. Ah, sans grimper une par une. Je vais les grimper une par une. J'aime ça, grimper une par une. Pourquoi je tourne en rond, bordel de merde? Avance, Pikachu. Non, c'est pas Pikachu. Miam, 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 miam. Coucou. Tu veux voir ma mousse? Petite blague. Oui, je vais pas dire autre chose. Hein. C'est pour un peu troller. Ça occupe parce que je dis tellement, je galère tellement. C'était une fois un joli Wutumu qui galérait très gravement. Il n'y arrivait pas. Il galérait sans cesse. Il recommençait tout le temps. Et en plus, cet enculé a oublié. Il a oublié. Une boîte. Non, en fait, c'est. Je sais plus le nom. Oui, je m'amuse. En fait, si vous voulez, j'ai un casque sous mes oreilles, donc ça fait un peu ASMR. Donc je m'amuse un peu. En même temps, c'est mieux ça que rien, quoi. Parce que vu que je galère. Par contre, là, il y a un problème. J'ai oublié un... Doucement, mon chou. Ça. Je vous garde en vie, vous, comme ça, je vous récupère plus tard. Enculé. Je vous garde. Je vous garde pour mieux vous tuer plus tard. Les Wutumu sont vraiment très dangereux. Ah non, ils sont tout mous. Donc, autant pour moi. Ils sont faits de mousse. Miam, 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 miam. De la mousse au chocolat. Bon, ok, j'arrête. Non. Oui, mais... Allez, donne-moi de la vie. Bon, enculé, je t'ai pas dit de me retirer de la vie, hein.
Non, je te garde. Hé, hey, arrête de me taper parce que je dois te garder. Bon, ok, je te tue parce que je suis gentil. Oui, c'est gentil de tuer des gens, vous savez pas. On recommence 50 000 fois. Pendant ce temps où les Wutumu font de la boue ASMR en mousse et qui queen contre sa mère. Oh oui, je vais te faire queener. Sans la queenette. Putain, je vous jure que j'ai sauté, mais il n'y a rien à faire, ça, c'est galère. Par contre, il y a un truc qui me chagrine là. Oh. Je pense qu'il y a un bug. Bon, vous savez quoi, ce qu'on va faire cette fois, c'est que déjà... D'accord. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder une deuxième fois. Parce qu'apparemment, on peut sauvegarder à n'importe quel moment. On sait que c'est le deuxième truc. On va tester un truc. Et on va voir si ça permet de... Ça permettrait de passer cette histoire-là. Si c'était le cas, bon, bah, désolé, j'ai pas fait exprès. Je ne savais pas qu'on pouvait En fait, je me trompais à chaque fois. J'allais sur la sauvegarde automatique et pas l'autre. Ah là 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 là, c'est grave. Plus vite, c'est chiant. Bon. Voilà. Je pense que c'est pas mal ici. On va re-sauvegarder en pro après, hein, je vous dis déjà. Quand on arrive où il y a tous les livres et tout ça, on va sauvegarder. Comme ça, on ne devra pas à chaque fois... parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc voilà quoi. Ah, c'est con, hein, tu m'as pas su. J'ai pas parlé français là. Les marches de l'illumination guident tes pas, mais elles sont raides. Alors grimpe-les une par une. Je veux grimper des saucisses grillées pour tous. Ça veut rien dire ce que je dis là. Grimpe-les une par une. J'essaie d'imiter un peu la voix suave qu'il y a. Est-ce que vous aimez bien des voix tout mou? Eh bien, c'est ma voix. Est-ce que vous êtes fan des voix faites de mousse? Ah, c'est pas très très gentil. En fait, ici, j'essaie de voir où il me semble que j'ai pas récupéré tous les livres. Il ne doit m'en manquer un. Je vais tuer ces enculés-là parce qu'ils me font chier. Oh, fait chier. Et mon autre vie, je l'ai pas. Oh, j'en avais besoin pourtant. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai tous les livres ou pas, là, en fait, du coup. Putain, qu'est-ce que c'est, là, hein. Ah, oui. Bon. Voilà. Ce qu'on va faire. Assistons de la sauvegarde. Voilà. Comme ça, on recommence plus en 100 000.
Ça marche. Ben, c'est con parce que du coup, Non. Mais ta mère. Pourquoi il y a moyen de nous tricher? Oh putain. Dire c'est quoi l'autre triche. Oh. Mais ni ta mère. Bon. Je le savais. Ouais, nique ta mort. Putain, mais j'avais réussi la dernière fois. Mais saute, espèce de pétasse. Putain, mais j'avais réussi la dernière fois. C'est quoi ce saut impossible? Oui, bien sûr, pète-toi la gueule, connasse, je te dirai rien. Mais je t'ai pas dit de te péter la gueule, connasse. Mais oui, mais elle n'a pas sauté cette enculasse. Même comme ça, c'est injouable, bordel de merde. Mais qu'est-ce que vous avez fait au jeu? Les premières fois que j'avais réussi, putain, c'était un coup de chance, quoi. Comment j'ai fait ça, quoi? Regardez-moi ça, je n'y arrive pas. Regardez, c'est trop loin. Il n'y a pas moyen. Le jeu est mal codé. Ouais, et là, c'est de la merde, quoi. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est trop loin, en fait. Bah non, c'est trop loin. On est d'accord que c'est assez loin, quand même, là. Ouais, non, j'arrive pas, hein. Ah. Là, il a pas voulu. Mais non, bien sûr. Mais oui, bien sûr, saucissonnez-vous seulement. Je transpire des mains. Pas très agréable tout ça. Mais non, d'une saucisse grillée. Je vais pas me dire qu'il me faut de l'élan aussi. Oh, bordel de merde, mais c'est injouable. Vous avez testé votre jeu avant de le commercialiser? Je pense pas. Ben non. Clairement, je peux pas. D'accord que j'ai pas réussi à y accéder. Il y a un problème à ce jeu, hein, clairement. Oui, d'accord. À moins que c'est débloqué, peut-être. Ah non, non, il est pas débloqué puisqu'il devait se battre. Il y a peut-être un autre livre, du coup. Ah, peut-être. Parce que c'est vrai qu'il manque peut-être un livre. Parce que là, ça a l'air quand même bizarre. Hein. Il doit manquer peut-être un livre, je pense. C'est obligé. C'est pas normal que... Ça doit être ça. Je vois que ça, sincèrement, parce que là, c'est pas possible. Oui, ta gueule. De manquer un livre ou je sais pas quoi, parce que c'est pas possible comment, quoi. Ah oui, putain, enculé, je me disais que c'était pas normal. Oui, je sais, je suis un imbécile, mais bon, en même temps,
j'avais pas compté le nombre de livres qu'il y avait de base, donc du coup maintenant je comprends pourquoi je galère. On allait encore rester coincé pendant des heures. Oui, le mur. C'est pas grave, ça fait des souvenirs d'esprit bugué. Fait de mousse. Oula. On va appeler ça le Lesplay tout mou. De la marque Mousse Mousse Mania. Allez, j'ai pas de temps. Mais quelle conne. Mais non, bah apprends à jouer correctement, connasse. C'est ça. Ça y est. Ah, tu crois quoi, toi? Il n'y a pas de serrure, mais il ne veut pas s'ouvrir, il est coincé. Non, 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 ça marche pas, ça. Voilà. Et là, cette fois-ci, je n'ai pas mouru. Champignons, pavots, sucre et épices, tous ces ingrédients sont des délices. Mélangés habilement, sans omettre un détail, ils feront une potion pour réduire votre taille. Je n'aime pas vraiment les sucreries. Moi non plus, personnellement. Depuis que j'ai grandi, j'ai changé de goût. Bon, ben on va pouvoir se quitter, hein. Je pense que j'ai bien montré à quel point je galère. Alors qu'on est en mode facile, je rappelle. On est clairement en mode facile et j'arrive à galérer comme une merde. Donc, bravo à moi, surtout. Bravo à Wutumu. Fait de mousse. Du coup, je pense qu'on va se quitter ici, hein. Donc vous avez vu à quel point le jeu est un peu difficile. Waouh, c'est trop beau. Ouh, ça fait peur. Du JPEG. Du joli JPEG. Ouh, ça fait peur. Regardez ces jolis JPEG. Ouh, parce que c'est du JPEG, hein, ça. Regardez quand on bouge. Oui, il n'y a pas de... Attendez, je réfléchis. À moins que non. Ah, peut-être que non. C'est peut-être pas du JPEG. Ou peut-être que si, c'était animé par Fram. Il faut voir. Parce qu'en fait, du JPEG, ça pompe moins que du... J'ai gaspillé ce cœur, mais on s'en fout. De toute façon, on a des sauvegardes... On peut spammer les sauvegardes à l'infini, donc on s'en fout. J'ai vu une connasse. Mais saucissonne-toi. D'accord, je suis en train de viser dans le truc en fait. Mousse-moussez-vous ? De toute façon, on va bientôt se quitter, hein. Je pense que c'est une bonne démonstration de la difficulté du jeu en prenant en compte en plus que le jeu n'est pas en difficile ou en normal, il est carrément en facile là. Donc ce qui est normal en fait parce que c'est sur les plateformes que je galère et pas sur les ennemis. Donc en fin de compte, ça facilite peut-être éventuellement pour les ennemis, mais c'est tout quoi. Non, je fais n'importe quoi moi, c'est bon. J'ai donc ma mana monte. Donc les saucisses grillées pour tous montent. C'est bizarre cette phrase. Quoi?
J'espère que vous aimez bien ce bruit de spam de merde que je fais. C'est trop cool. Bonjour toi. On s'est pas déjà vu. Mousse mousse toi. Qu'est-ce que je dois faire? Bordel de merde. Ton cul. Ah, une jolie porte que vous avez là. Petit enculé que vous êtes là. Oui, oui, ah. Mais enculé. Tu le vises ou tu... Ou on s'encule? C'est bon? Oui, c'est bon. Bon. Quelqu'un qui me tire dessus. Bon. Allô? Ouais. Devinette. Quand un maillet de croquet ressemble-t-il le plus à un gourdin? Je vais te le dire. Chaque fois que tu le désignes. Tu l'as déjà répété plusieurs fois, cette voix. Ce refrain. Est-ce que tu vas toujours répéter cette chose à chaque fois que je prends le maillet, ou je sais pas son nom, là? Ce bec de cordin, comme tu dis. Je pense que tu devrais te revoir, mon chou. Que putain de merde, ça va faire chier si ça répète toujours. Ah! Oui. Faites la queue. Oui. Moi aussi je t'aime. Non, je suis... Quoi, je l'ai pas tué. Meurs. 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 Saucisse. Alors. Non. Alice, tu ne vas pas bien. Explique-nous tout. Pourquoi tu es tout mou? Nous t'écoutons. Mais je dois faire quelque chose ici ou c'est juste de la décoration de merde? Ok, c'est de la décoration merdique. Autant pour moi. Rien à faire ici. C'est censé être une salle de classe, ok. Oh putain. Des portes partout. Ah ah ah, bien essayé, je t'ai vu, tu m'as TP. Ça veut dire mode infini. Ça veut dire mode fini quoi. Ça a foiré. La technique de merde. Je te TP. Je veux te faire croire que les salles sont infinies, mais je n'ai pas réussi moi le jeu parce que je suis une grosse merde. Hein, t'es gentil de dire ça. Oui, mais Mousse Mousse est là aussi. Quoi, moi non, j'ai rien fait. Je n'ai pas du tout sauvegardé pour être tranquille. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais vraiment, vous êtes de mauvaise foi. Oh là là. Moi, sauvegarder? Non, pas du tout. Je ne vois pas ce que c'est. Je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est. Waouh, regardez cette magnifique POG en... C'est ça. Cette magnifique porte en JPEG. À quel point qu'elle ne va peut-être jamais être couverte. Parce qu'elle est trop jipectisée. Oui, c'est une nouvelle variété. Et cette porte elle est beaucoup plus correcte. Juste appliquer une fausse porte sur texture. Mais par contre,
Je veux bien, mais là, je suis quoi? Je ne sais pas où il faut aller. Qu'est-ce que je veux? Je veux vraiment aller là Je suis coincé là, hein, c'est bon. C'est beaucoup bizarre quand même ici. Bah non, apparemment elle n'arrive pas à sauter la conne. Non, si c'est pas faisable, ça veut dire que c'est pas là. Et puis je vois pas comment je pourrais arriver. Qu'est-ce que le jeu veut de moi? Oui. Et ouais, bon, il n'y a rien à faire ici, je suis désolé, mais je vois pas ce qu'il y a à faire. Là, il y avait le bec de Corbin ou autre nom, machin Trucmus, qu'on a pris. Non, c'est machin, je te TP, ni vu ni connu, mais c'est foiré parce qu'ils ne savent pas faire ça professionnellement. Du coup, tu vois le comme un John Cut qui se fait, du coup, c'est complètement foireux. Au lieu d'enregistrer plus ou moins la position où elle est, et du coup ça passerait nickel. Non, non, ils n'ont pas su faire ça correctement. Bon, sinon c'est bon, ça passe aussi, vous allez me dire. Ouais. Ah non, ça c'est une fausse porte. Enfin, je soupçonne que ce soit une fausse porte, ah, peut-être que je me trompe. Ah. Rien à toi en fait. C'est une putain d'estrade, qu'est-ce que tu veux que je fous avec? Comme tu es belle quand tu es enragée. Tes amis ont de la chance que cette condition ne soit que temporaire. Et toi aussi d'ailleurs. Les yeux rouges ne vont pas à tout le monde. Ok, je me suis activé le mode cheat. Comme nous présentement que ça me servira à rien ici. Oui, pousse-moi le truc. Je te dirai rien. J'ai eu chaud. Pourquoi avoir mis le truc qui permet de cheater là pour rien en fait? Parce que j'en suis sûr que ces machins ils te font rien. Voilà, ouais. Par contre, je suis désolé, mais Non! Enculé! La Xbox des gros des machins ronds là, des lanternes est trop grosse par rapport à la lanterne qu'on voit là visuellement. Le machin il fait double. Regardez-moi ça comme ça me pousse alors que je ne touche même pas. Et on va cheater. Parce que j'en ai marre de me péter la gueule. Le gymnase devrait être tranquille. Les gardes ne font jamais d'exercice. Ils ne peuvent se permettre de perdre du poids. Le sport à l'école ne m'a jamais intéressé. Je ne dois pas mettre de tablier, j'espère. Non, cela ne vous irait pas. J'ai trouvé un des ingrédients de la potion. Les champignons. Magnifique texture. Qu'est-ce que c'est? Des chieuses. Uh-huh.
Ah bah oui, d'accord, elles m'ont fait carrément tomber, quoi. Ah, c'est bien ça, sauvegarder, là. La sauvegarde automatique. Ah mais non, c'est moi. C'est ça, ah. Donc notez que la sauvegarde automatique, elle sert à rien. Parce qu'elle ne fait rien. C'est une fainéasse, en fait. Le gymnase devrait être tranquille. Les gardes ne font jamais d'exercice. Ils ne peuvent se permettre de perdre du poids. Bon, ben, comme vous voyez, le jeu n'est pas trop punitif dans le sens que tu peux sauvegarder 6 milliards de fois, sans enfin 10 milliards de fois, sans problème. Oui, ça fait beaucoup de sauvegardes quand même, 10 milliards. Mais, bon, c'est une façon de parler pour dire qu'il n'y a pas de limite, tu peux sauvegarder où tu veux, quand tu veux, vous l'avez bien vu. Hein. Donc ça aide pas mal, quoi. On va s'arrêter ici parce que moi je vais faire autre chose. En tout cas, ce jeu me plaît bien. Je vais peut-être pas faire d'autres let's play. Hein. C'est juste vraiment un partage pour vous montrer la difficulté du jeu. Tout simplement. Et comme vous voyez, c'est un jeu qui est quand même assez exigeant. Exigeant. Même si vous le mettez en facile. Parce que voilà, c'est du plateforme, c'est de la logique. Mais c'est surtout les toutes plateformes ne changeront pas le fait que ça a été un peu foiré au niveau des sauts. Hein. Je vous rappelle, hein, le 1, je saute. Hein, on est d'accord. Hein. Au moment où vous entendez mon appui et une ou deux secondes que ça elle se décide à sauter, ça n'aide pas trop pour la maniabilité quand même, je trouve. C'est pas ouf. Mais par contre, c'est pratique, elle se met en mode Ratchet et Clank là, en faisant comme ça. Parce que dans les Ratchets, ça me transforme en mode Wouhou combat tout mou. Donc, c'est bien. Donc, il n'y a rien ici. Non. Ok, mais bon, on va y aller, hein, écoute. Saucisse. Ici qu'il faut aller. Attends, est-ce qu'il y a là ? Il y a un truc ici, non ? Ah, les dés diaboliques. Laisse-moi te mettre en garde. Ne les lance pas lorsque tu es seul. Les démons n'ont aucune loyauté et leur régime alimentaire est assez troublant. D'accord. Donc. Bon, ben voilà. Connasse. Du coup, c'était où que je vais aller? Parce que c'était là. Autre endroit, je pense. Ouais, c'est par là. Ah oui, mais pourquoi ça s'est pas lancé alors? C'est quoi ce bordel? C'est quoi pour des trucs buggés? Ah oui! Mais ici, il y en a autant. Je comprends pas. Il y en a déjà pas mal quand même pour du mode facile. C'est pas grave. Pas ici. C'est ta mère. Porte.
merde. Scrognieux. D'accord, c'est comme ça qu'on tire. Donc normalement. Les dés diaboliques. Laisse-moi te mettre en garde. Ne les lance pas lorsque tu es seul. Les démons n'ont aucune loyauté et leur régime alimentaire est assez troublant. Putain, nique ta mort. Voilà, si tu veux. C'est pas par là. Mais par là non. Ah si. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Si je veux bien. Parce qu'on est d'accord, je vais pas recommencer 6 milliards de fois. Bon, on peut pas passer. Laisse-moi te mettre en garde. Ne les lance pas lorsque tu es seul. Les démons n'ont aucune loyauté. Ah ouais, il faut éviter de lancer dans le vide, je crois aussi. Ça sert un peu à rien. Faut que ça puisse se déployer correctement. Donc, du coup. Bah oui, mais j'ai essayé. Saucissonnez-vous. Bon, j'ai une idée. Des diaboliques. Laisse-moi te mettre en garde. Ne les lance pas lorsque tu es seul. Les démons n'ont aucune loyauté et leur régime alimentaire est assez troublant. Oui, tu peux terminer, s'il te plaît. Tu m'agaces. Même si t'as une belle voix suave. Putain de merde. Oui, oui, oui. Transformé en boss. Lol. On est d'accord, là j'ai eu un peu chaud parce que j'avais peur d'avoir appuyé ce mauvais bouton. Bon, on va se quitter ici, hein. Vous allez les rire, mais bon, voiture, voilà. Donc j'espère que ce petit let's play vous a plu, surtout avec la voix suave de notre auteur. Non, je déconne. Essayez d'imiter le chat. Ce n'est pas facile à faire parce que ce n'est pas ma voix. Donc je vous dis à bientôt à tous et portez-vous bien, bande de petites trutrues. Et j'espère que cette petite vidéo gameplay
tout mou. Vous a plu? Bye bye. Ciao ciao. De petites saucisses grillées pour tous. J'aime des saucisses grillées pour tous. Mais oui, vous ne rêvez pas. Ils l'ont bien fait. Je vous mousse la mousse. Allez, à plus. Ici, je laisse un peu quelques minutes pour le time code de fin. Ah, mais non, je me mets pas, c'est juste. Bon, bah, je peux couper maintenant. Ah, oh, intéressant, regardez, il y a une animation. Elle est pas très belle, hein. On est bien d'accord, hein. Elle est beaucoup mieux sur la nouvelle la version. Allez, portez-vous bien, les gars. Et surtout, n'hésitez pas à acheter le jeu si vous voyez cette vidéo, parce que le jeu, je vais me marquer dans la promo, dans la vidéo, hein. Il est dans 12 heures, c'est fini, hein, il est de retour à 20 euros. Allez, ciao ciao.